Et salut à toutes et à tous, bientôt qu'on se retrouve, c'est Kai sur l'herbe des yoga. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Crash Bandicoot 4, It's About Time. Dans la dernière fois, je considère en avoir fini pour l'instant avec la neige. Oui, il y a des trucs qui manquent, mais j'ai pas envie d'y revenir, parce que j'en ai gros sur la patate. Hein. Bah en vrai, il y a que ça. Éventuellement aussi le niveau de Cortex, mais bon, ça, j'ai un peu plus confiance, mais... Ours en goguette et l'autre truc, là, qui est un peu pas... Enfin, c'est carrément le même niveau. Barf. Pas maintenant, je préfère limite faire à la fin, tu sais. Le temps que je m'entraîne bien comme il faut, si j'y arrive. Enfin, allez. On va commencer avec le monde de la dimension oedipienne. Donc, chez les dinosaures. Donc ça va être simple, je vais faire retour dans le passé en inverse. Et charge dino en inverse. Voilà, ça, je garderai pour un... pour le prochain épisode. Avec, merde, pardon. Celui de Dingodil, rocher bloqué, voilà. Bien, commençons par celui-là. La gêne cachée est assez galère à avoir. Je sais quelle est la caisse que j'avais manqué. Les premiers épisodes où j'avais fait cette dimension. Ouais, c'est un endroit où j'ai pas bien regardé. C'est un petit endroit planqué, comme d'habitude. Toujours des caisses planquées dans ce putain de jeu. Donc voilà, le effet inversé est juste dégueulasse. C'est le dessin de ta petite sœur, qui est à peine en maternelle. Voilà. Je ne vois pas autre chose à dire. Bon, ok. Avant ça, bah là voilà la caisse cachée. C'est celle que j'avais manquée. La seule unique. Voilà, normalement c'est bon, je les ai tous tués. Cependant. Non, y'a rien là. On verra là-bas. Il y en a. Attention. Voilà. Le petit vol bidon. Ok. Pas sûr que je fasse en perfect. Je vais juste essayer de tenter au moins les moins de 3 morts. Oulala, oulala. Oula, j'ai un problème avec les vues. Là, là c'est mieux. Ah bon? Genre j'ai fait trop tard. D'accord. Bon, le temps que je m'y remette bien. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait des trucs avec des rails comme ça là. Ça fait bien à l'avance. Mais là c'était trop tôt. Oh putain, bah, soit c'est trop tard, soit c'est trop tôt, faut savoir. Est-ce que je pourrais le faire trop au bon moment, si possible? Ce serait pas mal, hein, non? Il suffisait de demander. Qu'est-ce que c'est dégueulasse? Oh putain.
Graphiquement, c'est tellement dégueulasse que t'arrives même pas à forcément bien te calibrer. Bah, les moins de 3 morts, c'est baisé. Comme ça, c'est fait. Oh, mais j'ai du mal avec les... avec le temps de réaction. Ouais, le masque, il sert à rien, hein. Putain. J'avais pas autant de mal dans le mode normal quand même. Ouais, 5 morts. Ok. On est encore un petit peu loin de là où il y a la gemme cachée. Bon là, il est au bonus. Bon, celui-là, je me souviens comment le faire. Pas de problème. La meilleure façon... alors, avant la TNT. Ah bon. D'accord. Ce refus total. Oh là. Et voilà. Ensuite, il y a ça. Et après, on va monter depuis en bas. J'ai beau me calibrer, ça fait rien. C'est trop poil de fesse. On verra. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tu as raison. Merci mon cœur, ouais. La première à casser, je retiens. Heureusement qu'elle est là. Mon dieu, qu'est-ce que je ferais? Et après, elle ose dire qu'elle est plus nulle que moi sur Crash 4. Alors que c'est faux. Il y a des choses, elle réussit mieux que moi quand même. Bien, bien, bien. Oula. Boah. Quoi?
Là. À chaque fois, je te vois faire des gestes, je me dis, hein, tu me montres un truc. Attention. Ah, voilà, ici. Oh putain, ça c'est vraiment ignoble. Putain, quelle idée de merde. Là j'ai un cachet tout en haut ici. Ah. En fait, il faut savoir doser le saut, mais regardez, putain. Bon, lui, il va me gêner. Sérieux ? Comment tu veux faire ça ? Quoi ? Oui, je sais qu'il faut faire un grand saut. Mais je voulais voir si c'était possible. Rapide. Fois. Voilà. Mais non, c'est pas. Et ça suffit pas. Putain. Putain, j'y arrive pas. C'est vraiment une idée de merde. Bah alors. Mais elle est où? Je sais qu'elle est tout en haut, mais... Bordel! Plus, il faut deviner à la chance, quoi! Ça rend nul! Mais c'est nul! Oh! Putain, c'est horrible! One extremely annoying shift later. Oh putain! Oh là là! Mais en plus, putain, il faut viser à l'aveuglette. C'est nul. Allez, dégage. Cette gemme cachée, c'est la nullité absolue. Franchement, niveau idée de merde, ils sont allés fort. Voilà pourquoi je refuserais de le classer comme étant l'un des meilleurs crash. En tout cas, le meilleur. Il ne mérite pas ce titre. Avoir des idées, c'est bien, mais trop d'idées de merde... Voilà quoi, putain, 5 morts. Oh, fait chier, je peux même faire le perfect quoi en fait. Bon, moi j'ai tout ça. Putain, la merde. Je rush les moins de 3 morts, allez. On va faire en accéléré, je crois. Ouais, ce sera mieux de faire en accéléré. Yeah.
Eh ben, bordel. Ces morts inutiles que j'ai eues. Bon, au moins ça c'est fait. Maintenant, on va faire charge dino. Et je pense qu'on s'en arrêtera là, à moins que je peux peut-être vous offrir un petit perfect sur sur retour dans le passé. Mais bon, faisons d'abord charge dino. Parce que je sais que je peux avoir le perfect dans retour dans le passé. Je sais que je peux l'avoir. C'est juste ce premier putain de passage avec le... où j'ai vraiment du mal, mais surtout à inverse. Sur le rail, mais sinon ça va, quoi. De toute façon, faudra bien que je récupère toutes les caisses, donc oui, il faudra que je le fasse. Ce niveau est assez court, donc ça va. La concentration. Il y a ces putains de plantes, là, au début, qui font bien chier. Ah tiens, en parlant, on en a déjà une. Voilà, ça c'est fait. Ouais, dégage. Et voilà. Là, c'était le plus chiant du début, ça. Bien. Ah ! Au moment, je dois appuyer sur triangle et en même temps sur... Oh, fais chier. Ça, c'était une mort vraiment débile. Non, pas triangle. Oh, putain. Ah, avec ce bleu, je sais même pas si c'est une casse ou un champignon, là, tellement on voit mal. Ah, ici, ça va être la même histoire. J'aurais pas mes moins de 3 morts à cause d'un putain de rail. Cerveau, on réagit. Allez, 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 allez. Fini, là. Fini de rigoler. Ah, moi, si j'arrive pas, je recommence tout. Je m'en bats les couilles. Attends, je refuse, ça. Triangle. Triangle. Merde! Merde! Ah, fait chier! Pouh! Ça se voit que là, il est 1h du matin, que j'ai juste besoin de dormir, en fait. Hein? Ouais, quasiment 2h. Putain. Ah, plus jamais je tourne à ces heures-ci. Plus jamais. Plus jamais! J'en peux plus. J'en ai marre. Oh, bien joué. Oula. Oh, encore des bugs. Allez, on concentre. Triangle. 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 Touche plus. Rond. Triangle. Triangle.
Rond. Triangle. Triangle. Putain! Faut que je m'autodicte les touches, je crois. Y'a que comme ça que ça marche. Mais j'ai franchement pas l'air d'un gogol après. Ah oui, là, je vais me cacher, les là. Ici. Voilà. Au moins, on l'a. Putain, ça, ce genre de truc, tu trouves pas comme ça. Hein. Faut vraiment que t'explores. Coucou, toi. Ça fait longtemps. Bon, il va tout me casser. Ça, je m'en fous. Attention, les nitro. Merci, Lingodil. Et voilà, la petite astuce qui marche toujours. Bon, ça, s'en fout. Pas envie de prendre de risques avec les nitro, en vrai. Oh putain, je joue un jeu dangereux. Oh putain. On attend. On arrête de faire les débiles. Voilà, là c'est bon. Putain, c'est deux checkpoints quand même, c'est abusé. À peine t'as cassé un checkpoint, t'en as déjà un de plus. C'est complètement débile. La répartition des checkpoints dans ce jeu-là, elle est vraiment énigmatique. Hein. Ah mais non. Il y a un qui saute plus vite que l'autre. Je crois. Ouais. Ça n'a pas l'air d'être qu'une impression. Qu'est-ce que tu dis? Ah mais oui, c'est vrai, la caisse de derrière. Putain, non, j'ai besoin de dormir là en fait. Je suis pas prêt. J'aurais pas dû tourner, mais tant pis. J'ai commencé, faut que je continue. Pourquoi j'ai tardé? J'aurais dû tout de suite y aller. Bah non. Non. Et voilà. C'est bon. Là, faut faire gaffe. Voilà. Là, c'est bon. Oh putain! Attention ici. Oui, ici y a rien. Bon. Le petit masque qui ne servira à rien ici. Ça, encore une fois, je comprendrai jamais. Ouais, à part pour les bulles. À la limite.
Ça change pas grand chose. Ouais, au moins ça m'aura servi. Et voilà. Un passage qui semble tendu, mais en vrai, c'est largement faisable. Autant avant, je comprenais pas trop, mais je me suis dit, oh, ça va. Quand tu sais que tu peux glisser au-dessus du vide. Ce qui n'est pas très évident de le savoir au début, mais... Puis tu y arrives. Eh ben. Et le perfect. Je... Oui, oui, tout à fait. Bon. Je l'ai fait en inverse, le perfect. Je m'y attendais pas du tout, en vrai. Hein. Ça veut dire que... Ouais. Ah, vous savez quoi? On va se laisser là-dessus. Parce que... Un perfect dessus, ça se mérite. Voilà, c'est mérité. J'ai bien fait de recommencer. Le perfect de retour dans le passé, je vais faire prochain épisode. On va s'arrêter là-dessus, on s'arrête sur une bonne note, écoutez. Moi, ça me va. Donc, prochain épisode, tout de suite, je ferai le perfect de ça, retour dans le passé. Ensuite, je ferai carbure aux fossiles. J'essaierai de faire le perfect. Bon, au moins les moins de 3 morts. Et puis, je pense que je retenterai le mode normal, plus du inverse. Et ensuite, on fera rocher bloqué. Voilà. Bon. Rocher bloqué, il y a moins de façon perfect. Hein. Il est pas compliqué. Il est long, mais il est pas compliqué. Bon. Et ben voilà. Donc merci à toutes et à tous de regarder. Ce fut un plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. À vous abonner si c'est pas déjà fait. De toute façon vous connaissez la chanson. Ah punaise. Tu ressembles à rien mon gars. Tu ressembles à rien. C'est moche. Pardon. Bordel. Oh merde. Ballon de baudru. Oh putain. Mais il est limite creepy en fait. Oh. Oh merde. Putain, je te préfère ça. Allez. Limite. Parce que ballon de baudru, t'es creepy. Oh. Prochain épisode, on fera avec Crash. Du coup, bah, d'ici là, que la foudre du dieu Gaston vous accompagne dans le style. Ciao, peace and love, see you next time.